Bonjour, on va vivre ensemble le Classico, ce choc entre les deux clubs mythiques du championnat espagnol. Bienvenue dans le stade de Wembley à Londres. Grégoire Margoton et Darren Tullet pour vous commenter le match aujourd'hui. Salut Grégoire, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour ce qui, j'espère, je sens en tout cas, sera un grand moment de football. À l'affiche aujourd'hui, le Real Madrid contre le FC Barcelone. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Quelques impressions générales d'Arène avant ce match. J'espère surtout, Grégoire, que l'on va assister à une très belle rencontre. Il va falloir vite rentrer dans la partie, être tout de suite concentré. Tout dépendra de l'entame de match, comme souvent. Pour cette rencontre. Il peut choisir de centrer. Cristiano Ronaldo. Il a choisi de jouer long. Sur l'aile. Un bon dégagement, solide. Et le centre bien placé. Le coup de tête. Et il manque le geste décisif. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte. Xavi maintenant. Sergio Ramos. Marcelo. Il est seul, il peut frapper. Oh oui, le tir. Il est allé au bout de son action. Bien joué. C'est une superbe course. La facilité avec laquelle il efface ses adversaires. Incroyable. Iniesta. Xavi. Xavi maintenant. Il était bien passé, belle intervention. Très bien exécuté. Marcelo. La frappe. Le poteau. C'est le poteau qui repousse. Il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. Minutes de jeu au chronomètre. Il est perdu ce ballon. Pris de vitesse sur ce coup. Jeu bien vu de la part de l'arbitre. Oh, cette attaque n'ira pas plus loin. Il doit jouer vers l'avant. Il n'est pas en jeu. Le ballon traîne toujours, attention. Bon, ça ne donne rien à l'arrivée, mais c'était un bon mouvement. Et maintenant Sergio Busquets. Maintenant. Cristiano Ronaldo. Il peut conclure. Oh là, il peut frapper. Il tire. C'est au fond des filets. Il mène à zéro.
ça fait 1-0. Ses coéquipiers comptent sur lui, il a répondu présent, quel talent! Mesut Özil. Il joue dans l'espace. Oh, ça peut être intéressant. Quelle intervention incroyable. Oh, quel dommage. L'arbitre a levé son drapeau. Eh oui, il part un petit peu trop tôt. Il est hors jeu de quelques centimètres. Bientôt 30 minutes de jeu dans la première période. Une occasion. Ça peut être dangereux sur ce contre. Et il doit effectuer cette touche. Et maintenant Sergio Busquets. Et alors ils ont vraiment un mal fou à cette propre et les occasions, non? Di Maria. Benzema. Dans le dos de la défense. Et maintenant Sergio Busquets. Xavi. Daniel Alves. Mesut Özil maintenant. Ah non, c'est perdu. Marcelo. Peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Allez, il faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Sergio Ramos maintenant. Et maintenant Cristiano Ronaldo. Mesut Özil. Il tente la frappe. Et il est là, le gardien. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Prépare là. Remonte le ballon. Sergio Ramos maintenant. Marcelo. Il tente de la jouer dans l'espace. Voilà une récupération. Défensivement, c'est bien. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. Di Maria. Il peut frapper d'ici. Il reçoit le ballon. Pour la présence de Victor Valdés. Quel arrêt! Encore un geste décisif du gardien. Bravo, quelle réaction. Un arrêt de grande classe. Oh, il centre. Elle réussit une tête. Oh, elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Malgré le bon pressing du défenseur, il arrive à trouver un angle de frappe, mais c'est dommage. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Très jolie première mi-temps, très agréable à suivre et à commenter. Espérons que nous aurons droit au même spectacle dans des 45 minutes à venir. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Le Real Madrid contre le FC Barcelone. C'est une occasion ça! Oh, le gardien est là, la classe! Oh, qu'il est important cet arrêt! Frappe énorme. Sa passe manque juste un petit peu de finesse. Arbeloa. Pepe maintenant. La Saladiera. Arbeloa. Oh, la frappe. Et toujours ce manque de précision. Il y a tout dans ce match. Il propose du jeu, il s'est créé des occasions. Mais ça ne veut vraiment pas payer. Pour trouver la faille dans la défense. Xavi. Et le gardien repousse parfaitement. Bien repoussé par le gardien. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Il choisit de centrer. Et
non, ce ballon ne trouvera personne. Et voilà, ils insistent dans l'axe alors qu'à mon avis, la solution est plutôt sur les ailes. Et maintenant Cristiano Ronaldo. Ils ont toujours le ballon. Daniel Alves. Il la repousse. Benzema. Frappe. La frappe, attention. Et c'est un but. Et il compte maintenant deux buts d'avance. Il est tout bonnement impressionnant. Ça a l'air tellement facile lorsqu'on le voit faire. Il est exceptionnel. Quel but! Oh, le One Man Show! Et le doublé! Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, il peut voir venir. Et maintenant Villa. Et maintenant Sergio Busquets. Di Maria. Xabi Alonso maintenant. Mesut Özil. Marcelo. Il est en bonne position pour centrer. Frappé. Messi. On se compte qu'il peut aller loin. Cesc Fabregas maintenant. Quelle bonne passe, c'est dangereux. Et il marque. Magnifique. Il n'y a plus qu'un but d'écart. Le suspense est complet. C'était vraiment à la limite du hors-jeu, mais là ça passe. Et ça fait but. Tout le mérite revient au passeur avec ce ballon en profondeur. Ça a pris tout le monde par surprise. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Oh, la grosse occasion. Oh, c'est dedans. L'égalisation du FC Barcelone. Oh, la bonne passe, c'est au fond. Et quel beau ballon en profondeur. Ces deux-là se trouvent les yeux fermés. Ils ont réussi à combler l'écart. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter leur but. Et hop, ils se font remonter. Il peut en profiter. Il faut frapper là. Cette fois, ça va passer. C'était une bonne occasion, dommage. Ah, mais c'est frustrant pour lui. Il sait qu'il peut faire mieux que ça. Un centre. Mauvais dégagement. Et ce ballon, il va remonter très vite. Oh, Messi. Ça joue. Attention, Messi est parti. Là, ça peut faire mal. Ballon récupéré. Est-ce que 75 minutes écoulées? Le drapeau ne s'est pas levé. Oh, c'était bien parti, mais à l'arrivée, c'est tout gâché. Long ballon. Et maintenant Cristiano Ronaldo. Il glisse le ballon en profondeur. Le drapeau s'est levé, dommage. C'était une bonne occasion de mener au score. De la défense et l'interception. Sergio Ramos. Xabi Alonso maintenant. Il est possible maintenant. Benzema. Coup de sifflet normal, il est hors jeu. Thank you.
bien donné. La Saint-Dira maintenant. Il a de l'espace sur le côté. Oh, ballon perdu, c'était pourtant bien parti. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. C'est intercepté. Pepe. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il trouve du soutien. Benzema, une occasion. Oh, le but. Ça y est, la victoire est quasiment dans la poche. Et encore un but qui démontre la qualité de ce groupe. Les défenseurs n'ont rien pu faire sur ce coup. Cette phase de jeu les a complètement déstabilisés. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. Ce but scellait le score. Est-ce qu'on en restera là? Alors ça, c'est un but très important. Ils vont maintenant défendre le avance à tout prix. Di Maria. Arbeloa. Marcelo. Coup franc accordé. Sergio Busquets. Et faute incontestable. Xabi Alonso maintenant. Marcelo. Peut centrer. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Coup de siffle final et l'arbitre met un terme à la rencontre. Alors évidemment, ils auraient aimé gagner avec une marge plus importante, mais l'important,